Allez, c'est parti, je vous redis une petite pause donc de 10 minutes sur forcément ce circuit du Red Bull Ring. Allez, on va baisser le TC. Et j'ai pris la Maserati. Un choix un petit peu par rapport au temps que j'ai fait avec, un petit peu par rapport à la philosophie qu'elle a. Elle est un peu plus joueuse, elle est un peu moins ancrée sur les rails que par rapport aux autres véhicules que j'ai pu tester. Donc c'est ce qui me paraît avoir aussi peut-être un petit peu plus d'infos. Bref, c'est un ensemble de choses qui font que voilà, je préfère celle-ci. Allez, bon départ. Il y a qui doit être à 100, je pense. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Pas de voiture retournée, pas de crash. Bon, bah c'est lié, hein. C'est pas les lobbies. Allez, 18ème. On est donc 25. Deux Mercedes devant. Oh, ça ferme les portes là, monsieur, attention. Oh, la dérive. Je l'entends à ma droite. Bon allez, là c'est le dernier secteur où j'ai du mal. Ça va, je suis bien débrouillé. L'Audi, la KTM, je vois, la Mercedes. Les Porsche, à mon avis, sont devant. Ah, ça touche un peu. Il va falloir trouver une porte parce que là je vais perdre un petit peu de temps. Oh, ça glisse, ça glisse. Pareil, il y a un Audi qui essaye de passer derrière les deux KTM, mais à mon avis ça semble compliqué. Voilà, c'est clairement pas le moment. Resserre l'Audi là. Oh, du coup il y a de la Mercedes derrière qui cherche aussi. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Bon bah je parlais de voiture retournée. Là il y a eu un gros choc. Car on the right. Il y en a deux qui en ont fait les frais et deux qui en profitent. Les deux Mercedes là. Il se passe des choses aussi avec l'IA, hein, faut pas croire. Hein.
at the halfway mark, still a long way to go. Allez, 14e. KTM là-bas devant qui fait un peu le bouchon, j'ai l'impression. Ça attaque. Pauvre en sandwich avec Zomerco. Well done, mate. That's all fastest lap. Qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Car on the left. Clear on the left. Allez, moins de 3 minutes. 13e. Maintenant qu'elles vont champ libre, ça va peut-être être difficile de les reprendre. Ça tourne pas, ça tourne pas. C'est le dernier secteur hein, où je suis pas bon. Là, les deux premiers, ça peut me permettre de les faire, enfin de revenir en tout cas. Et puis on rejoint du monde, hein. Là, encore une fois une KTM, je vois en orange. Elles sont à l'agonie. Car on the left. Clear on the left. Leaders on final lap down. Allez, on arrive au dernier tour, je pense.
vague et secteur 1. Ouh, ça freine pas. Ce virage là, sur toutes les simus, je me fais surprendre, je sais pas pourquoi. Par moment, les freins ils donnent pas de la même façon. Alors forcément, ça vient pas de la simus, c'est moi je suppose, mais en tout cas, c'est un virage que je n'apprécie pas beaucoup. Bon, bah, du coup, on va terminer sur cette 13e place. Il y a qui, je trouve, se comporte bien, très honnêtement. C'était intéressant, et encore une fois, c'est ma première prise en main sur ces véhicules. Donc voilà, on peut faire bien, bien mieux. Mais voilà. Bon, bah, allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la course et du contenu. Et nous, on se dit à une prochaine. Tchuss.